Grenier, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, à la Maison de la Poésie, à Guyancourt. Alors, c'est amusant parce que, comme ça, dans l'idée générale, la poésie, on voit ça, on voit des petits oiseaux, des trucs champêtres, tout ça. Et là, on est à côté d'un parking, enfin, on est en pleine cité, quoi, en pleine ville. Ben voilà, c'est remettre les poètes dans la cité, contrairement à ce que disait Platon qui voulait les foutre à la porte. Nous, grâce à une volonté politique, on a remis la poésie au cœur de la cité. Quand cette maison a été créée il y a bientôt 11 ans par Roland Nadeau. Et vous en êtes le directeur depuis sa création. Depuis sa création, c'était une coquille vide quand je suis arrivé. Et puis depuis, on a rempli, on a mis plein de choses dedans. Et puis on a encore plein de choses à mettre. Et quand on voit arriver comme ça, la maison de la poésie, les poètes, je veux dire, la population comme ça, elle vous regarde comment D'un drôle d'œil. Des êtres à part. ça surprend un peu parce que c'est marqué maison, donc les gens se disent c'est pour nous. Ouais. On a confusion avec la maison de quartier qui est juste à côté. Ouais. Mais quand ils voient poésie, il y a des freins qui se dressent. Et puis, on leur explique, on leur donne des programmes. Quand ils sont dans la rue, tout à l'heure, j'ai encore donné un programme à une dame qui regardait l'affiche. Mm-hmm. Je lui ai dit, partez avec, profitez-en, c'est l'occasion. Et voilà, on fait en sorte, nous, que les gens se rendent compte que la poésie est faite pour tous. Pour tous, c'est ça, oui. Pour tous. Elle n'est peut-être pas faite par tous, sûrement pas, mais elle est faite pour tous. Ça, c'est autre chose, on en parlera. Ça, c'est encore un autre domaine. et oui, c'est ça. Mais enfin, bon, il y a comme ça, au début, ça peut faire en effet un peu peur. Quand on dit poésie, voilà, ça paraît savant, quoi. Oui, enfin, ça paraît savant, mais ça ne l'est pas du tout. Et c'est ce qu'on cherche aussi à prouver ici, c'est que vraiment, les écrivains, les poètes d'aujourd'hui, s'adressent à tout le monde et ne sont pas du tout hermétiques. Il y a des difficultés, ce n'est pas une langue facile. Il faut faire un effort et on invite les gens à faire cet effort dans le texte, mais aussi à être curieux. Et c'est tout notre travail ici, c'est de restimuler cette curiosité qui est un petit peu annihilée par le tout venant, par la pensée unique, etc. Donc on essaye, nous, de faire en sorte que les gens se disent « Ah oui, tiens, ça, c'est pour moi. » Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? On va y entrer tout à l'heure. Oui, je vais vous inviter à entrer. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison de la poésie ? Alors, dans cette maison, il y a des bureaux, puisqu'on a une équipe de 4 personnes permanentes ici, depuis quasiment l'origine, et une salle de spectacle, salle de spectacle de Saint-Quentin. De la communauté, De la communauté, puisqu'on dépend de la communauté d'agglomération. C'est 75 places, et 100 mètres carrés au sol, tout compris, scène comprise. Avec un avantage, c'est que cette scène, elle peut se mettre où on veut. Donc mes techniciens s'amusent comme des fous avec ça, les artistes aussi, les poètes aussi. Ah oui, on peut donc déplacer, voilà, c'est modulable. Voilà. Et on a aussi donc une bibliothèque constituée d'à peu près, il doit y avoir à peu près 6 à 7 000 titres dans la bibliothèque. Ah, c'est quand même énorme, ça. Donc des artistes, des poètes, des enseignants viennent la consulter puisqu'elle ne peut pas être en prêt libre. Elle n'est pas du tout cataloguée. D'accord. Mais voilà, c'est mais elle est ordonnée. Ce n'est pas une bibliothèque publique. D'auteurs contemporains, d'auteurs classiques, de tout, puisque cette maison s'occupe à la fois du patrimoine et c'est très important de savoir sur quoi on s'appuie. On a présenté ici des spectacles sur François Villon, Du Bellay, Verlaine, Molière, Rimbaud, etc. Mais aussi les poètes d'aujourd'hui, ceux qui font l'écriture d'aujourd'hui dans le 21e siècle. Voilà, et ça, c'est très important. Qui a un peu de mal aussi à se faire connaître. Du mal à se faire connaître. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais on va entrer. Je vous invite à entrer dans la maison. Je vous précède ? Après vous, oui. Voilà, donc vous êtes là dans le hall. Dans le hall. Qui est devenu salle d'exposition aussi depuis le début. C'est une volonté chez moi, c'est de faire ce lieu, un lieu d'exposition avec des expositions toujours en lien avec... avec l'écriture. Donc là, ce mois-ci, on a une exposition qui marque les 10 ans d'art, c'est-à-dire les 10 ans d'acquisition d'œuvres par la communauté d'agglomération à notre demande. Donc, ces deux œuvres... Voilà, vous avez voulu qu'il y ait ces deux œuvres-là. J'ai tenu absolument à rendre hommage à Ladislas Quino, qui vient de décéder lundi dernier, qui a réalisé ces deux œuvres, deux stèles importantes, une stèle à Pablo Neruda et la stèle à Martin Luther King. Et elles sont en permanence dans cette maison, elles sont accrochées sur nos murs. Même quand on a d'autres expositions, elles sont là, elles nous accompagnent. Et Quino a été un compagnon de route pendant quelques années avec cette maison. Il était fatigué ces dernières années, mais il nous a très longuement accompagnés, il nous a soutenus. C'était un militant de la poésie et aussi un homme très engagé. Ce travail sur Martin Luther King, sur Neruda, la relation qu'il avait avec Angela Davis, avec Jean Genet, avec les Black Panthers, son combat contre la guerre du Vietnam, contre la guerre d'Algérie, ça a été vraiment quelque chose de très marquant. Contre le racisme. Le racisme. Il a fait des œuvres magnifiques. Il y a eu une très très belle rétrospective à Lille en 2000, à l'invitation de Martine Aubry. Ouais. Et ça a été vraiment pour moi une grande découverte à ce moment-là. Et je l'ai découvert ici puisqu'il habitait à Saint-Germain-en-Laye.
où il est décédé. Et j'ai eu l'occasion d'aller dans sa maison, une magnifique maison musée avec des œuvres d'artistes tels que Talcott, tels que Miro, Picasso, qui ont été ses proches aussi. Il y a une inspiration d'ailleurs. Il y a des choses très fortes, avec quelque chose de très fort chez Kino. D'abord la présence de ces grosses boules noires. Ouais. Ce sont les galets de charbon que son père allait chercher au fond de la mine, à Neuilly-Mines, quand il est arrivé en France en 1925. D'accord. Il est de quelle origine ? Il est polonais. Il est né en 21 en Pologne, il est arrivé en France à l'âge de 4 ans. Son père était violoniste, très grand violoniste, et quand il est arrivé, le seul boulot qu'il a trouvé, c'est dans les mines. Ouais. Donc ça l'a complètement marqué. Comme beaucoup de Polonais. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est le travail. Il y a eu trois choses. La deuxième chose, c'est le travail à la vaporisation. Très, très longtemps avant les graffeurs de rue, il a travaillé la vaporisation de la peinture. Ouais. Voilà, comme le font les graffeurs maintenant. Et le papier froissé. On pourrait retrouver des choses qu'on voit sur des graffes. Oui, complètement. C'est un travail qu'on pourrait retrouver dans la rue. Lui, le contre-collé, ensuite, il y avait le papier froissé. Il avait une formule, il disait « on est froissé, on meurt froissé ». Et tous ces papiers sont des papiers froissés, contre-collés sur la toile. Alors, sur ces deux œuvres-là, mais il a fait autre chose aussi. Il a travaillé sur les grandes figures de Bouddha. Il a fait il a réalisé récemment une œuvre magnifique sur l'Apocalypse qui a été montrée à la galerie d'Orval à Lille. Il a fait un travail remarquable sur un chemin de croix, sur un texte de Bernard Noël qui a été récemment montré à Paris. Voilà, c'est un homme qui touchait à ces domaines-là. Il avait une passion incroyable pour les poètes et pour la poésie. Est-ce que... On va s'asseoir peut-être, mais... quand on voit comme ça des œuvres, on est dans une maison de la poésie. La poésie, c'est que de l'écrit ou ça peut être ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, ça peut être un autre art. Moi, je suis très sceptique. Je pense que la poésie, c'est d'abord, je reviens moi à l'origine. Poésie, c'est la création, c'est faire, fabriquer, créer. Tout ce qui est création est un acte poétique. Mais est-ce que ça en fait de la poésie pour autant? C'est pas sûr. Après, les artistes ont leur démarche, ils ont leur passion, ils ont leur relation. Tous les artistes qui sont exposés ici, il y en a une vingtaine, nous accompagnent depuis une dizaine d'années, ont tous, d'une manière ou d'une autre, travaillé avec les poètes. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette relation, ce lien, ce pont. Cette ouverture d'un art vers l'autre. Voilà. Justement, alors, quand on lit tous les exégètes, toutes les anthologies de poésie, il y a toujours une difficulté des auteurs à définir qu'est-ce que c'est la poésie. Moi, quand on me dit ça, c'est une question qui nous revient souvent, que la poésie. J'aime beaucoup cette formule d'Eugène Guillévy qui disait « la poésie, c'est autre chose ». C'est autre chose. Il y en a qui disent voilà, c'est au fond l'harmonie, le son, non. Plus que le sens. Non, ça peut être la dissonance, ça peut être... Dissonance d'ailleurs. Non, mais quand je dis l'harmonie, peut-être un mal choisi. Non, mais on parle de musique, de poème, etc. Mais il y a des poètes qui travaillent sur la dissonance de la phrase, sur mais est-ce la que rupture. C'est la forme? Non, c'est surtout pas la forme. C'est surtout pas la forme. Moi, je défends complètement ce principe, ce concept très scolaire. Il faut que la poésie ait une forme. Non, elle n'a pas de forme. Rimbaud est mort à la fin du 19e siècle. Ça fait quand même plus de 120 ans. Il a explosé le poème. Il a explosé l'art de l'écriture du poème. Et il a fait comprendre que le poème pouvait être autre chose que cet art rimé, rimaillé, enfermé dans ses formes étatisées. Et donc, depuis 120 ans, on explose le poème. Et on a de cesse de continuer à l'exploser. Il y a encore des recherches actuellement. Je pense à des gens comme Christophe Tarkos, comme Fred Griot, Claude Favre, derrière des gens comme James Sacré ou Valérie Rousseau, qui proposent, parce qu'ils ont un travail continuel sur la langue. L'intérêt, si vous voulez, pour moi, le travail d'abord du poète, c'est un travail sur la langue. Et la langue du poète n'est pas la langue de tout le monde. C'est une langue qu'il invente continuellement. Et donc, après, c'est à l'auditeur, donc celui qui va l'écouter, l'entendre, de trouver l'entrée dans cette langue-là, avec des clés. Quand on entre dans l'art contemporain, on n'a pas toutes les clés. Vous mettez devant une œuvre de Soulages, vous ne comprenez pas tout. Mais on peut vous expliquer. Est-ce qu'il faut aussi expliquer ce qu'il faut, la poésie ? Non. Chacun y prend ce qu'il a envie d'y prendre. Parce que on peut donner des clés quand même. On peut donner des clés. On en donne, nous, ici. Parce que quand on rencontre un poète ici, moi, je donne à entendre les voix du poète, c'est-à-dire à la fois ce qu'il a écrit, mais aussi ce qu'il a à dire sur ce qu'il a écrit. Mm-hmm. On ne fait pas l'explication de texte, mais je fais parler le poète sur son art d'écrire, c'est-à-dire pourquoi il écrit comme ça, qu'est-ce qui l'a attiré à l'écriture, qu'est-ce qui l'a amené à ça. L'importance aussi de la langue française, parce qu'on a une maison qui a une mission prioritaire sur l'expression française. Je ne parlerai pas de francophonie, je parle bien d'expression française.
dans l'écriture. Quelle différence vous faites? Je vous renvoie à un magnifique texte qu'avait publié Amin Maalouf en 2004 dans Le Monde des Livres, où il expliquait justement que ce vocable de francophonie était beaucoup trop marqué par le colonialisme, oui, mais aussi les invasions violentes telles qu'elles ont été au Canada. Oui. Les gens qui écrivent comme les Français. Il dit non, voilà, c'est ce qui a donné naissance à l'écriture monde, oui, à la littérature monde. Et moi, je défends cette écriture française, de langue française. Mais la langue française du Camerounais n'est pas la même que la langue du Québécois. Ils ont leurs influences, leurs incidences. Et l'intérêt, c'est de les faire se rencontrer et de les faire s'exprimer dans des lieux comme ici ou ailleurs, parce qu'on n'a pas qu'ici qu'on accueille des poètes. On dit aussi parfois que la poésie, c'est la fulgurance. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça nous donne à comprendre le monde peut-être plus facilement que d'autres formes Oui, moi je défends surtout l'idée que le poète... Quand je dis fulgurance, c'est-à-dire que voilà, c'est tout d'un coup, on comprend, quoi. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais je crois... D'abord, je défends une chose, c'est que le poète, il est là pour parler du monde dans lequel on vit. Ouais. Et il n'est surtout pas un visionnaire. Le poète n'est pas visionnaire. Mm-hmm. Il parle du monde. Neruda parlait du monde. Oui, Césaire parlait du monde dans lequel il était, en s'appuyant sur l'histoire et en disant, voilà, on a construit quelque chose, il y a peut-être autre chose à faire. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, la fulgurance, c'est-à-dire qu'il y a dans les poèmes, il y a des éclats de connaissances, des éclats de savoir, des éclats qui vont nous éveiller à quelque chose. Ce sont des éveilleurs. Paul Éluard parlait, à la suite de Rimbaud, il parlait des frères voyants, c'est-à-dire ceux qui nous ouvrent les yeux sur le monde. Voilà, quand je disais fulgurant, c'est ça. Ils voient quelque chose que peut-être les autres ne voient les pas. Les autres ne voient pas. Ou ils montrent des voies que... Et ils ont une manière de le dire que les autres n'ont pas. Parfois, on dit aussi, aujourd'hui, la poésie, elle n'existe plus vraiment. C'est la chanson qui l'a remplacée, parce que c'était un art populaire. C'est devenu un art moins populaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que la chanson et la poésie ne sont pas dans le même monde. Quand on parle de chanson, si vous parlez de chanson, ce qu'on appelait la chanson à texte ou des chanteurs de poètes, oui, d'accord, on est un lien. Mais si on parle de la chanson populaire, elle n'a rien à voir avec la poésie, puisqu'elle n'utilise que la forme poétique, comme la publicité. La rime, la sonance, l'allitération, tout le monde peut le faire, ça, tout le monde est capable de le faire. Ouais. Par contre, ce que dit la chanson n'est pas du tout ce que dit le poème. Mm-hmm. On est complètement sur deux univers différents. Dans la chanson, on est dans une narration, par exemple. Or, le poème est très rarement narratif. Très rarement narratif, oui. D'où parfois la difficulté qu'on peut avoir à l'appréhender. Oui. Malheureusement, le temps passe un peu vite. Toujours trop vite. On va conclure cette première partie d'émission, puis je vous propose qu'on se retrouve pour continuer à parler de poésie, parce que c'est sans passionnant. Problème. Merci.